je lance un appel aux oreilles du monde des humains. Entendez-vous ? Sonnez la sonnette de l'alarme tremblante. Ça a du sens de le faire ici, où justement on est dans un lieu qui accueille avec à la fois avec passion, avec plaisir, avec bienveillance, avec intérêt, toutes les paroles et toutes les présences les plus différentes. Ça nous touche beaucoup, nous, d'être ici et en plus de partager cette expérience avec elle. Le fait qu'elle soit avec nous relève le défi de manière encore plus considérable. Oui, puis on a demandé à Véronique, sa oui. mère, donc d'être une des voix du texte. Et du coup, on entend d'ailleurs les réactions d'Hélène quand sa mère dit le texte. Oui. Donc, tu les poses comme il faut les lettres. Lecture, c'est lecture, tu mets un T encore. Je vis cette lecture. D-E-S. C. Descente. Comme une descente, si c'est descente, mais encore un T. Aujourd'hui, c'est les T. Voilà, comme une descente. Capricieuse métaphore de l'envol, envol plané au-dessus de vos nids de coucou. L'imaginaire salue vos étroites sorties de dérangement. La parole d'Hélène, elle est toujours très, très. Elle a toujours une grande force actuelle, enfin, son incitation au soulèvement, finalement, au soulèvement de l'imaginaire, de nous libérer un peu de nos corsets raisonnables et de nos étroitesses. C'est toujours très, très salutaire d'entendre ça, quoi. Je suis née dans les méandres des obstinations élévatrices de l'esprit. Il passe son temps à croire sa propre langue comme un fait réel de société. Je suis là pour le lui rappeler. Halte, esprit tordu, retrouve ton chemin.